Le garçon était caché dans les toilettes des filles, essayant de récupérer en douce les bandes dessinées confisquées par l'enseignante. Quand soudain une fausse dent est tombée sur le sol, et le garçon a été choqué et abasourdi. Il a regardé par l'embrasure de la porte et s'est rendu compte que l'enseignante avait deux crocs acérés. Regarde la vidéo, n'oublie pas d'aimer. La chance de cette personne sera certainement très bonne. L'enseignante de la classe a demandé aux élèves de créer leur crâne préféré, tandis que l'enseignante a sorti un sachet de chocolat de son sac et en a donné un morceau à chaque élève. L'enseignante a regardé les élèves engloutir le chocolat et, l'instant d'après, leurs yeux ont commencé à se voiler. Martin s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et a immédiatement écrit deux petits mots pour les transmettre à ses amis, leur disant de ne pas aller chercher les chocolats. C'est alors que le professeur l'a pris sur le fait. Il est venu derrière Martin et lui a dit d'un ton menaçant de manger le chocolat. Mais Martin l'a quand même jeté dans la poubelle. Le lendemain, les élèves de la classe sont tous devenus très étranges. Leurs yeux étaient vides, comme si on leur avait enlevé leur âme. Alors qu'ils étaient tous les trois perplexes, le professeur surgit de nulle part et tendit un autre chocolat à Martin.